Bienvenue sur notre chaîne YouTube de prières communautaires versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment de partage et de soutien dans la prière. Ici, nous unissons nos cœurs et nos intentions dans la prière, offrant nos fardeaux et nos joies au Seigneur et demandant sa bénédiction et sa guidance dans nos vies. Que vous soyez en quête de réconfort, de guérison ou simplement d'une communauté de prière, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans un moment de silence et de recueillement alors que nous présentons nos intentions devant le Seigneur. Et sachez que vos intentions de prière seront portées devant le Seigneur. Chaque nom, chaque fardeau, chaque désir du cœur sera présenté devant son trône de grâce. N'oubliez pas de partager vos propres intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et dans la prière. Soyez assurés que vous n'êtes pas seul dans votre prière. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, la compassion et l'espoir. Merci d'avoir rejoint notre communauté de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Unissons nos cœurs dans la prière. Seigneur, en ce début de semaine, je m'approche de toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Merci de me donner la force de me lever et la grâce de commencer. Ce lundi sous ton regard bienveillant. Lecture du psaume du jour, psaume 23 par exemple. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Méditation sur le psaume. Seigneur, que ce psaume m'inspire confiance et paix en ce jour. Aide-moi à voir dans chaque mot la promesse de ta présence et de ta guidance. Lecture de l'Évangile du jour. Évangile selon Saint Jean 15, versets 1 à 5 par exemple. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'épurement, afin qu'il porte encore plus de fruits. Réflexion sur l'Évangile. Jésus, enseigne-moi à demeurer en toi en ce début de semaine. Que chaque parole de l'Évangile d'aujourd'hui résonne dans mes actions et mes pensées. Père Céleste, alors que je poursuis ma journée, que les enseignements de ta parole guident mes pas. Protège-moi, inspire-moi et utilise-moi pour ta gloire. Que ce lundi soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et demeure avec vous toujours. Alors que je m'apprête à entamer mes activités, je te demande de guider chacun de mes pas. Seigneur, je te remercie profondément pour le précieux cadeau de cette nouvelle semaine. Dans ta grande bonté, tu m'offres de nouvelles opportunités pour croître, apprendre et servir. Que chaque jour soit un reflet de ta grâce et de ton amour. Aide-moi à reconnaître ta présence dans les petits moments comme dans les grands et à répondre avec gratitude et courage à tout ce que tu places sur mon chemin. Que cette semaine soit une occasion de bâtir des ponts plutôt que des barrières, d'apporter de la lumière là où il y a des ombres et d'offrir de l'espérance à ceux qui en ont besoin. Puissais-je être un instrument de ta paix et refléter ton amour à travers mes actions et mes paroles. Accorde-moi la capacité de faire face aux défis qui se présenteront avec assurance et détermination. Aide-moi à rester résilient face aux obstacles, à ne pas faiblir sous la pression ni à fléchir sous le poids des épreuves. Que ton esprit me guide et me fortifie, que ta sagesse éclaire mes décisions. Donne-moi la persévérance nécessaire pour surmonter les difficultés et l'endurance pour continuer mon chemin, même quand la route semble incertaine. Que je trouve en toi mon refuge et ma force, sachant que rien n'est impossible avec ton soutien. Inspire-moi à agir avec bravoure et à parler avec vérité, reflétant ainsi ta lumière en tout lieu et en toutes circonstances. Source de toute sagesse et intelligence, je sollicite ta présence guidante en ce jour. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre des décisions éclairées qui reflètent ton amour et ta justice.
Aide-moi à voir clairement les options qui s'offrent à moi et à choisir avec discernement le chemin qui est en accord avec ta volonté divine. Que ton Esprit Saint m'éclaire et m'oriente dans chaque situation, me permettant de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Puisse-je agir non seulement avec intelligence, mais aussi avec compassion et intégrité, honorant ta création et chaque personne que je rencontre. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-moi que tu es toujours avec moi, offrant ta lumière et ta vérité pour guider mes pas. Que je puisse m'appuyer sur ta sagesse infinie plutôt que sur ma propre compréhension, et que mon cœur soit toujours aligné sur les valeurs de ton royaume. Enveloppe-nous de ton amour et garde-nous en sécurité sous ton aile protectrice. Protège-nous de tout mal et danger qui pourraient surgir au cours de cette journée. Que ta présence soit un bouclier autour de nous, nous préservant des afflictions physiques, émotionnelles et spirituelles. Guide nos pas pour éviter les pièges et les tentations et donne-nous la sagesse de reconnaître les risques avant qu'ils ne se manifestent. Dans chaque décision et interaction, que ton esprit nous inspire prudence et discernement. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour, protégeant les autres comme tu nous protèges. Je te demande de remplir mon cœur de ta paix divine. Aide-moi à rester calme et centré, peu importe les tumultes et les défis des circonstances extérieures. Dans les moments d'agitation et de stress, rappelle-moi de me tourner vers toi, de respirer profondément et de trouver le calme dans ta présence. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse mon esprit, apaise mes inquiétudes et stabilise mon âme. Donne-moi la force de lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler et la clarté pour voir les situations avec sagesse et compassion. Que je puisse réagir aux événements de la vie, non pas avec anxiété, mais avec confiance en ton soutien et en ta guidance. Que cette paix intérieure soit une lumière pour moi-même et pour ceux qui m'entourent, témoignant de ton amour et de ta tranquillité dans ce monde souvent chaotique. Seigneur aimant et miséricordieux, qui as enseigné l'amour inconditionnel, fais de moi un canal de ton amour et de ta compassion. Aide-moi à mettre en pratique ton commandement d'aimer mon prochain comme moi-même, en cherchant toujours à comprendre les autres avant de chercher à être compris. Ouvre mon cœur pour accueillir ceux qui m'entourent, pour écouter sans juger, pour parler sans blesser et pour agir avec gentillesse. Que je puisse voir au-delà des apparences et reconnaître les besoins et les souffrances cachées derrière les masques que nous portons tous. Inspire-moi à offrir de la consolation là où il y a de la tristesse, de l'espoir là où il y a du désespoir et de la compréhension là où il y a des malentendus. Que mon interaction avec chaque personne reflète ton amour et ton empathie, transformant les relations et apportant une lumière là où l'obscurité semble régner. Généreux et bienveillant, bénis mon travail et mes efforts en ce jour. Que chaque action que j'entreprends soit couronnée de succès et contribue à ma croissance personnelle et professionnelle. Fais que mes projets et mes entreprises portent des fruits et soient source de bénédiction pour moi et pour ceux qui m'entourent. Accorde-moi la persévérance nécessaire pour surmonter les obstacles, la sagesse pour prendre des décisions judicieuses et la clarté pour voir les opportunités qui se présentent. Que mon travail reflète mon engagement et mon dévouement et qu'il soit un témoignage de ton amour et de ta providence. Que cette journée soit remplie de progrès. Aide-moi à être un instrument de paix, d'amour et de compassion dans ce monde et à répandre ta lumière là où il y a des ténèbres. Seigneur, je te remercie pour le modèle et le protecteur que tu nous as donné en Saint-Joseph. Que je puisse honorer sa mémoire en vivant une vie de foi, de travail et de service, et que je puisse être trouvé digne de rejoindre un jour la communion des saints dans le royaume céleste. Comme Saint-Joseph a guidé et protégé la Sainte Famille, je te prie de m'accorder ta guidance dans mes responsabilités professionnelles.
Donne-moi la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les défis qui se présentent à moi. Que je puisse aborder chaque tâche avec détermination et confiance en ta providence. Comme Saint Joseph, accorde-moi la patience et la persévérance pour faire face aux difficultés et la clarté d'esprit pour prendre des décisions avisées. Que ton Esprit Saint soit ma lumière et ma boussole alors que je navigue dans les eaux parfois tumultueuses du travail. Inspire-moi à être un exemple de travailleur consciencieux et bienveillant et que mes actions reflètent toujours ta volonté et ton amour. Je te confie, ô Seigneur, chaque aspect de ma vie professionnelle et je te demande de guider mes pas sur le chemin de la réussite et de l'accomplissement. Que je puisse utiliser les talents que tu m'as donnés pour glorifier ton nom et pour être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Accorde-moi, ô Dieu, la grâce de trouver joie et satisfaction dans mon travail et que chaque journée soit une occasion de grandir en force et en sagesse. Que ma vie professionnelle soit un témoignage de ta fidélité et de ta grâce infinie, et que tout honneur et toute gloire te reviennent, maintenant et toujours. Je me couche avec la certitude que tu es à mes côtés. Tes bénédictions abondent, même dans les moments les plus ordinaires, et pour cela, je te suis infiniment reconnaissant. En ce début de journée, je viens à toi, avec un cœur rempli de gratitude pour les collègues, les supérieurs et toutes les personnes qui contribuent à mon environnement professionnel. Je te demande de bénir chacun d'entre eux et de nous accorder à tous la grâce de travailler ensemble dans l'harmonie et le respect mutuel. Bénis mes collègues avec force, sagesse et persévérance alors qu'ils s'engagent dans leurs tâches quotidiennes. Accorde-leur la patience et la compassion pour faire face aux défis qui se présentent à eux et inspire-les à travailler avec intégrité et diligence. Bénis mes supérieurs avec discernement et compassion, afin qu'ils guident notre équipe avec sagesse et équité. Accorde-leur la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et bienveillantes, et inspire-les à être des exemples de leadership inspirants. Bénis également toutes les autres personnes qui contribuent à notre environnement professionnel, qu'il s'agisse de partenaires commerciaux, de clients ou de fournisseurs. Accorde-leur la grâce de coopérer harmonieusement avec nous et inspire-nous à traiter chacun avec respect et considération. Que nos interactions professionnelles soient empreintes de gentillesse, de compréhension et de soutien mutuel. Que nous travaillions ensemble comme un seul corps, utilisant nos différents talents et compétences pour atteindre nos objectifs communs. Seigneur, je te remercie pour la richesse de relations professionnelles que tu as placées dans ma vie. Aide-nous à cultiver des liens solides et à encourager les uns les autres sur le chemin du succès. Que chaque jour soit une occasion de grandir en harmonie et en unité, faisant ainsi briller ta lumière dans notre environnement professionnel. Je porte dans ma prière les familles de tous les travailleurs. Soutiens-les, Seigneur, surtout celles qui traversent des moments difficiles, qu'ils soient d'ordre financier, émotionnel ou autre, en raison de leur travail. Accorde-leur la force nécessaire pour faire face aux défis quotidiens. Pourvois à leurs besoins selon ta richesse et ta générosité, et offre-leur ta paix qui surpasse toute compréhension. Que chaque membre de ces familles ressente ta présence consolatrice et ta main bienveillante les guider à travers les épreuves. Inspire les communautés et les dirigeants à développer des politiques et des soutiens qui renforcent la sécurité et le bien-être de ces familles. Que nous, en tant que société, reconnaissions et valorisions le travail ardu de chaque personne, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Bénis ces foyers avec l'unité, l'amour et le soutien mutuel, et aide-les à trouver des moments de joie et de réconfort malgré les pressions du quotidien. Que leur foi en toi grandisse, les rendant forts et résilients face aux défis. Je te prie d'intervenir pour eux, Seigneur, d'ouvrir des portes d'opportunités de travail dignes et stables, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Regarde avec compassion ceux qui cherchent activement du travail, mais qui rencontrent des obstacles et des difficultés sur leur chemin. Console-les dans leur anxiété et leur incertitude, et donne-leur l'espoir et la force de persévérer dans leur recherche. Protège-les, Seigneur, contre le découragement et le désespoir. Garde leur esprit fort et leur foi ferme, sachant que tu es toujours avec eux, même au milieu des tempêtes de la vie. Inspire ceux qui ont le pouvoir de créer des emplois à être justes et bienveillants dans leurs décisions. Ouvre-leur les yeux sur les besoins de ceux qui cherchent du travail et guide-les pour qu'ils offrent des opportunités significatives et équitables. Que chaque personne sans emploi trouve le soutien et l'encouragement dont elle a besoin dans sa communauté et dans sa foi. Accorde-leur la force intérieure de persévérer et la confiance que tu es à leur côté dans cette épreuve. Seigneur, que ta main protectrice soit sur ceux qui sont sans emploi aujourd'hui. Puissent-ils sentir ta présence réconfortante et ton amour infini alors qu'ils traversent cette période difficile. Que leur confiance en toi soit renouvelée chaque jour, sachant que tu es le pourvoyeur de toute grâce et de toute bénédiction. Je te prie de bénir mon lieu de travail et de faire de cet endroit un lieu de sécurité, d'efficacité et de prospérité. Que ta présence remplisse chaque recoin de notre lieu de travail, Seigneur. Que ta lumière illumine nos pensées et nos actions. Et que ton Esprit Saint guide nos efforts pour atteindre nos objectifs. Protège-nous, ô Seigneur, de tout danger physique, émotionnel ou spirituel. Entoure-nous de ta divine protection, afin que nous puissions travailler en toute sécurité et confiance, sachant que tu veilles sur nous en tout temps. Inspire-nous à être des collègues compatissants et des travailleurs dévoués. Accorde-nous la grâce de collaborer harmonieusement les uns avec les autres, de nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de célébrer ensemble nos réussites. Bénis également nos supérieurs et nos dirigeants, Seigneur. Accorde-leur la sagesse et la clairvoyance pour prendre des décisions justes et éclairées. Guide-les dans leurs responsabilités, afin qu'ils dirigent notre équipe avec intégrité et compassion. Que notre lieu de travail soit un environnement où règne le respect, la compréhension et la solidarité. Que chacun se sente valorisé et respecté pour ses contributions, et que notre équipe soit unie dans la poursuite de nos objectifs communs. Seigneur, je te remercie pour la bénédiction de ce lieu de travail. Que ta paix soit présente parmi nous aujourd'hui et chaque jour à venir. Que notre travail soit fructueux et bénéfique pour tous, et que nous puissions toujours te glorifier par nos actions et nos paroles. Aide-moi à aborder mon travail avec enthousiasme et à découvrir des solutions nouvelles et efficaces aux défis que nous rencontrons. Que ta sagesse divine me guide et que ta lumière éclaire mes pensées, afin que je puisse voir au-delà des voies conventionnelles et explorer des possibilités inédites. Accorde-moi la capacité de penser différemment, de combiner des idées de manière unique et de contribuer de façon significative à mon domaine. Renouvelle en moi la passion pour mon travail et la détermination à faire avancer les choses. Que mon effort serve non seulement à atteindre des objectifs personnels, mais aussi à améliorer la vie d'autrui et à glorifier ton nom. Je te prie de bénir mes collègues et moi avec une collaboration fructueuse et un esprit d'équipe, renforçant notre désir commun de réussir et d'innover. Que notre travail reflète ton amour et ton ingéniosité et qu'il apporte du bien autour de nous. Je te prie pour que la justice et la paix prévalent dans les lieux de travail du monde entier. Que chaque environnement professionnel soit un espace de respect, d'équité et de sécurité pour tous ceux qui y œuvrent. Protège, je te prie, ceux qui subissent des injustices, qui sont traités avec mépris ou discrimination. Fortifie-les et donne-leur le courage et les moyens de défendre leurs droits et de chercher réparation. Inspire leurs collègues, supérieurs et les décideurs à agir justement, à écouter avec empathie et à rectifier les torts commis. Que ton esprit de paix
imprègne les cœurs et les esprits, apaisant les tensions et favorisant la compréhension mutuelle. Aide-nous à construire des ponts là où il y a des divisions et à promouvoir un esprit de collaboration et de bienveillance. Encourage les dirigeants d'entreprise et les responsables politiques à mettre en place des politiques qui favorisent la justice sociale, l'égalité des chances et un traitement équitable pour tous les employés. Que leurs actions reflètent ton amour et ta justice. Seigneur, que notre travail ne soit pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une source de réalisation et de contribution au bien commun. Et de réalisation positive, non seulement dans le domaine matériel, mais aussi dans le spirituel. Aide-moi à reconnaître et à célébrer chaque petite victoire, sachant que tout progrès est un pas vers l'accomplissement de tes plans pour ma vie. Je te prie pour la santé et la vitalité de ma famille et de moi-même. Préserve-nous de toute maladie et renforce notre corps et notre esprit. Renouvelle notre énergie chaque jour pour que nous puissions profiter pleinement de chaque moment et accomplir nos tâches avec enthousiasme et vigueur. Accorde-nous le repos réparateur et la nutrition nécessaire pour soutenir notre bien-être. Aide-nous à adopter des habitudes saines et à prendre soin de notre corps comme un temple de ton esprit. Dans ta miséricorde, éloigne de nous les affections et les troubles et offre-nous une protection contre ceux qui pourraient nuire à notre bien-être. Que notre santé renouvelée soit un témoignage de tes soins aimants et de ta puissance restauratrice. Que nous marchions dans la gratitude pour le don précieux de la santé, partageant notre vitalité et notre joie de vivre avec ceux que nous rencontrons. Que ta voix soit claire et audible dans mon cœur. Aide-moi à t'entendre et à suivre tes conseils à travers la prière et la méditation. Que je sois attentif aux murmures de ton esprit et sensible aux signes que tu places sur mon chemin. Donne-moi la paix intérieure pour me calmer et me concentrer lors de mes moments de recherche spirituelle. Aide-moi à distinguer tes directives au milieu du bruit du quotidien et à faire la différence entre mes pensées et ta parole divine. Guide mes décisions et illumine mon parcours avec ta sagesse. Que je sois courageux et confiant dans le suivi de tes voies, sachant que tu me conduis vers le bien. Encourage-moi lorsque je doute et fortifie ma foi avec des réponses claires et des encouragements tangibles. Accorde-moi la sagesse et la clarté nécessaires pour faire face aux défis de cette journée. Remplis mon cœur de patience et de compréhension pour que je puisse agir avec amour et compassion envers ceux que je rencontrerai. Protège-moi et protège mes proches de tout mal et aide-nous à rester concentrés sur nos objectifs et inspirés par nos rêves. Que ton esprit soit avec moi, m'encourageant et me soutenant dans chaque moment. Je place cette journée entre tes mains, confiant que tu m'accompagneras à chaque instant. Pour toutes les bénédictions que je reçois, je te suis infiniment reconnaissant. Amen.